Et voilà, c'est en direct. Oh, bonsoir les amis, comment ça va? Comment ça va, Salut, mon Sébastien? petit. Ben, ça va super bien. Tu m'as sorti de ma sabbatique d'une journée. Je Mais là, 20 m'excuse. minutes, je ne savais pas que j'allais être en live. Fait que c'est bien correct. On a des beaux invités ce soir. Oui, honnêtement, des très, très beaux invités. Puis, écoute, c'est pas que c'est improvisé. Moi, mes lives, c'était à 8 heures, là. Je voulais quand même y aller en live, mais bon, j'ai parlé à un invité, j'ai parlé à un autre invité. L'autre invité n'était pas sûr. Puis là, il m'a demandé, oups, et il a commencé à changer d'idée. Puis après ça, il dit, c'est beau, je viens. Puis après ça, ah, oh, puis je vais faire le live au complet. Ça a commencé à, je suis fatigué, non, je ne peux pas. Et après, ah, non, on va donner un petit 15 minutes. Là, il est tellement motivé, mais il veut passer l'heure avec nous autres au complet. C'est bon. Puis même moi, c'est ça, tu me le disais, ça, parce que j'ai parlé à Jean-Charles Clérou tantôt. Puis Ouais. je disais, il dit, ah, oh, faut que je te parle, c'est important. Je dis, ouais, oh, non, je rentre pas en live à soir, moi. En tout cas, il dit, non, non, c'est pas pour ça. Fait que c'est ça. Moi, tu m'en as parlé. Après ça, j'ai vu, c'est, ah, mais là, t'as pas nommé les invités, fait que je le nommerai pas. Mais j'ai vu son post que mon nom était dedans. Je dis, bon, on va y aller, hein? Je suis déjà annoncé. Oui, c'est ça. On allait te dire, j'ai dit, t'es annoncé. T'as comme pas ben le Ah, choix de c'est venir ça. en live. Ah, écoute, c'est correct. De toute façon, j'aime ça passer un beau moment avec vous autres. Puis si on peut aider des gens, hein, des fois, hein, on se fait souvent dire qu'on leur fait du bien. Fait que tant mieux, Colin. C'est ça le but. Ouais, ben oui, Hein? sérieux. Puis ça va être un super de beau live. On a des beaux, gros invités. Non, mais pas gros dans le sens gros, là. Des beaux, grands invités, là. Fait que. Sont dans la fleur de l'âge, c'est. Oui, excellent, ben oui, puis je les adore. Fait qu'on part mon intro et on les invite par la suite. Et Yes, c'est sir. parti! Et voilà! La Ben, c'est marouette, bien, hein? c'est pas toi qui as fait ça, certain, Non, c'est pour moi. J'ai un ami qui fait ça. Moi, la Wow! technologie, c'est pas mon fort. Mais merci à mon chum Dave, justement, qui m'a monté ça. Moi, j'ai choisi un Génial. peu les mots, tout ça. Puis il m'a trouvé une belle vidéo, on l'a travaillé, puis je dis, on y va avec ça. C'était écœurant, hein? C'est vraiment bon. Wow! Bravo! Avant de présenter nos invités, je vais mettre en contexte un peu de qu'est-ce qu'on va parler. J'étais allé chercher de quoi, j'ai trouvé ça bon. Je vais vous partir ça à l'instant. Je me mets en sourdine et je vous passe ça et après, on invite nos invités. Ça s'en vient. Les joies du direct. T'es en sourdine, je pense, Carl. Toi, tu m'entends-tu? Moi, je Oh, oui, c'est t'entends. bon, merci de me le dire. Merci de me rappeler à l'heure, Sébastien. C'était juste ça? Oui, c'était juste ça. Ça veut tout dire. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on va discuter à l'instant. Je te laisse présenter les invités, tant qu'à faire. Ah, Allez. ben oui. Écoute, sont connus dans le milieu de quoi? Dans le milieu de la vérité, hein? On ne dit plus complot. À cette Ouais. heure, tous les complots se sont avérés être vrais. Nous autres, on le savait depuis le début, mais bref, sont très connus. Moi, je les apprécie bien gros. Il y en a un des deux que je connais depuis moins longtemps, mais l'autre, ben, c'est Samuel Grenier, qui est un de nos amis à moi et Carl, moi, depuis un an au moins. Sam, je suis content de te recevoir. Je n'étais pas au courant, moi non plus, mais c'est ça. Plein d'amour, merci d'être là. Merci à vous autres, merci, merci les gars. Yes. Ça fait plaisir. Ben oui, puis ben, présente notre autre invité, Carl, on fait ça en Ben, duo. l'autre invité, premièrement, je lui en remercie. Puis premièrement, je remercie Samuel parce que c'est Samuel qui me met en contact avec. Puis le prochain invité, ben là, je me suis mis en contact avec. Puis il m'a reçu vendredi sur un de ses lives. Je l'en remercie. Déjà, je ne le connais pas, ça fait longtemps. Je parle avec, c'est comme si ça faisait 30 ans que je le connaissais. Je considère pratiquement que, tu sais, dans ce monde-là, on se fait des nouveaux amis.
Ben, d'après moi, prochainement, je vais accepter sa demande d'amitié, c'est sûr et certain. Je vous présente mon ami Dan Pilon. Salut les gars, ça va bien? Yes, ça va, sir. Quoi? Ah oui, vous faites bien ça. Je suis jaloux. Moi, là, j'ai toutes sortes d'émotions. je suis vraiment honoré d'avoir été invité. Je vais te corriger, Carl Giroux. Oui. Tu disais au début, il se plaignait, il est fatigué. Je disais non. Moi, je commence à être vieux. Je suis rendu à 57. Oui. C'est vrai. J'ai des lives le matin. Faut que je commence à doser mes énergies, même si c'est belle fun, même si on a une mission de vérité. Ça tire du jeu pareil. Il y a quand même une petite tension, même si on est là pour les bonnes raisons, même si on aime ça, ça tire du jeu. Mais chapeau, les gars, je suis vraiment. Bravo à Samuel Grenier qui a servi de courroie de transmission. Moi, je vous ai découvert, c'est récent. Je vous avais entrevu à peine. Et puis là, c'est merveilleux, c'est au Québec, qu'il y ait des plus jeunes qui se sont levés. Et puis, pour être sûr que tu es vieux, on va vous backer. C'est garanti. C'est hot. Tu as fait des beaux lives là, récemment. Moi, tout le monde me tag dessus, me les envoie. Tu as parlé souvent de nous puis de Joe Sirois aussi. Écoute, c'est tellement apprécié. Puis, tu sais, la façon que tu disais ça, c'était comme c'est eux autres à cette heure qui lead. Mais moi, je le vois tellement comme il n'y a pas de leader. Tu sais, on est tous dans le même bateau. Il y a un gouvernail puis on se le passe chacun notre tour. Tu sais, on fait en sorte qu'on arrive à destination ensemble. Il ne faut pas qu'il y en ait juste un. On se met tous ensemble, puis tout pour la même mission. La cause est tellement grande que on ne va pas se mettre à se tirer les cheveux, à se tirer les couettes pour savoir c'est qui bosse. De toute façon, moi, je n'aime pas ça bosser. J'étais un esthétique. Mais moi, je vais vous dire, les gars, je vais laisser parler Sam, mais c'est votre show. On vous a ouvert le chemin. On a mangé en Christi des coups, nous autres. Puis à un moment donné, là, communicateur, influenceur, souffre-douleur, et organisateur de manif, ça devient lourd, tu sais. Je me sens, écoute, 50% plus léger depuis que je vois qu'on les a, les gars, pour coller les manifs. C'est une vraie une bouffée d'air frais, comme je dis souvent à mon monde. Je suis prêt. Mais les gars, c'est pas juste une question quand on dit qu'on va vous backer. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ensemble, on se back. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant, ça prenait énormément d'efforts, d'énergie, de temps, exemple, pour rejoindre quelqu'un. Mais là, juste le fait de pouvoir que Carl puisse me dire « j'aimerais ça parler à Dan », j'ai dit « il faut que tu les nommes, ces affaires-là. Si tu les nommes, on va être capable de t'aider. » Bien, Dan, il sait que si j'y parle de quelque chose, il niaisera pas avec l'information parce qu'il sait que j'ai déjà filtré. Parce que du monde qui veut parler à Dan, j'en ai tous les jours qui m'appellent. Ouais. Mais si je lui parle de quelque chose, je ne dirai jamais quoi faire. Mais si j'y en parle de quelqu'un, il sait que c'est important parce qu'il sait que j'ai filtré. Alors, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'idée, là, c'est que ça soit plus efficace maintenant, qu'on soit capable de traiter plus rapidement, plus d'informations, rejoindre plus de personnes dans la même journée. Parce que regardez ce qu'on fait présentement, là, juste en diffusant sur trois pages différentes, je suis convaincu qu'on est à 2000 personnes. En ce moment, on vient de taper le 4000. Bon, puis tu vois, là, fait que ça, là, c'est ça de la puissance. C'est ça de la puissance. Hey, on s'excuse tout de suite à Éric Duhem, ça a l'air qu'il était en live. Écoute, mon homme. on lui a donné sa chance de 7 à 8. Moi, les gars, je vais sauter sur l'occasion pour... écoute, c'est banal, là, c'est cliché, mais félicitations pour la manif. Moi, j'avais dit, je l'ai su à la dernière seconde, mais on commence à se connaître. Et puis, j'avais dit à Carl vendredi, j'étais un cas douteux là, pour samedi. Et puis, en plus, samedi, j'avais des engagements personnels. Puis en plus, je voyais ça moins 23. J'étais pauvre, les gars, il n'y aura pas grand monde. Hey, pour avoir attiré des dizaines de milliers de personnes à moins 20 degrés, là, puis je ne sais pas combien avec le facteur vent, là, les gars, ça montre que le peuple en a plein son casse. Au Québec, ils n'ont pas connu c'est qui les vrais, ils vont l'apprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça, c'est ça qu'ils vont découvrir. Ah oui, vraiment. Puis c'était vraiment... non, mais regarde, si tu veux, je vais continuer parce que là, Legault, c'est le maître diviseur. J'ai jamais pensé que cet homme-là, moi hier, j'étais tout heureux qu'Arruda. Qu'on annonce son départ, je dis enfin, on a un espoir, le monde dit ça changera rien. Et puis aujourd'hui, tout de suite, même pas une journée de répit, on n'a jamais une journée de break avec eux autres, jamais.
Et Legault s'en vient nous faire suer une autre fois. Moi, je m'excuse, mais ça passe plus, là. Ça passe mais plus. Ça passe pas pour personne, là. Non, on va parler de son budget. On va y apprendre à compter à Legault. Là. C'est un CPA, ça. On va y revenir tantôt. Je m'excuse, là. C'est votre show. J'aime ça. Ben, vas-y, Sam. Mais tu vois, moi, je le vois comme s'il était dans notre équipe, Legault, en ce moment. Ces décisions de merde qu'il prend. Hey, les messages que j'ai, vous autres aussi, vous devez en avoir des doubles vax, des triples vax. Peu importe, tout le monde est en tabarnak, tout le monde le voit que ça ne fait pas de sens. Fait que c'est comme s'il jouait de notre bord là, en ce moment. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je prends ça en riant. Je suis vraiment léger dans tout ça, mais je sais qu'il y en a que ça affecte beaucoup. On va laisser parler M. Grenier, il allait parler. Oui. Bien, tu fais bien de dire qu'il y en a que ça l'affecte beaucoup. Et puis, ce soir, je veux dire à Martin là, que, Martin, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Parce que Martin, il a écrit un message tantôt sur une de mes publications en disant « Moi, la corde est prête. J'en peux plus de l'apartheid. » J'ai communiqué avec lui en lui disant « Reste avec nous autres parce qu'on va tous traverser ça ensemble. » Des Martins, il y en a plein à travers le Québec. Je veux que vous sachiez qu'on souffre tous de ça à des niveaux différents, bien entendu, avec des ressources autour de nous, bien entendu. Mais le numéro que vous devez toujours vous rappeler si vous êtes à la date, si vous êtes là, que vous n'en pouvez plus, c'est le 1-866-APPEL, OK? C'est 24 heures, c'est 7 jours. Si vous allez sur le site Internet, ça va vous le sortir. Aussitôt que vous le tapez sur Google, ça vous amène à un site Internet. Moi, je tiens à vous le dire, là, ce soir, il y en a beaucoup qui sont découragés parce qu'ils ont entendu leur premier ministre parler, parce que moi, c'est plus le mien. Moi, je suis désolé, je t'affranchis de lui. Et puis, ce gars-là ne sait pas compter. Puis tantôt, je vais vous en parler pourquoi il ne sait pas compter, puis pourquoi il profite. C'est un profiteur, c'est un opportuniste. Il profite de ça pour taxer encore plus le monde, OK? Il profite de ça pour dire à du monde que c'est eux autres les responsables du crise de système de santé à marde qu'on a depuis 30 ans. Ouais. Et puis là, il s'en vient et dit « on va trouver un coupable et on va s'arranger pour que 90 % de la population déteste ces gens-là ». Bien, il manque de courage et ce gars-là n'a pas le courage, de toute façon, d'expliquer comment ça fonctionne un système de santé. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est encore plus de victimes avec tout ça. Ça fait qu'on va le démontrer qu'il ne sait pas compter. Puis, il y a un calcul très, très, très simple qu'il peut faire. Et puis, là, présentement, là, Martin, tous les Martins du Québec, présentement, là, on vous demande de continuer avec nous autres. On ne vous lâchera pas. On va être là chaque jour. Mais lâchez-nous pas non plus. Bon, on ne sera pas là juste chaque jour. Ben, on va être... C'est au Parlement qu'on s'en va, là. Puis, là, pas plus tard que la semaine prochaine, c'est au Parlement qu'on s'en va. Et si il voulait voir 200 000 personnes, Legault, mais son souhait va être exaucé parce que là, le monde en a plein leur casque. Et je vais respirer par le nez, là, parce qu'il m'a craqué, là. Legault, là, tu fais un calcul simple, OK? Tu fais des estimations, OK? Avec sa taxe pour les non-vaccinés, c'est une honte. C'est un mépris total. Écoute, 21 millions de vaccins, là, ça fait quoi? 7 millions de Québécois, 7 millions de Québécois dosés, là, mêlés à 20$ le vaccin. On piche des chiffres, là, OK? On est rendu à 420 millions de dollars. On rajoute à ça, je suis un comptable de formation, moi, puis M. Grenier aussi. Tu rajoutes à ça tous les espaces locaux qu'ils ont loués, là, inclus le stade olympique, là, inclus tous les locaux partout qu'ils louent, tout le personnel, tous les gens qui vaccinent, tous les employés des centres de vaccination depuis un an maintenant. Rajoute à ça toutes les publicités payées dans le journal de Montréal à pleine page à chaque jour, la presse, les... Rajoute à ça, il doit avoir un autre 300 millions là-dedans. Là. C'est jamais je croirais que c'est en bas de ça. Tu es rendu à 720 millions. Là. Plus j'ai des chiffres, je peux me tromper de 100 millions, je m'en fous. 720 millions, divise ça par 6-7 millions. Tu es rendu à peu près 120$ par personne. OK? Et 120$ par personne, le prix de revient, on appelle ça un prix de revient. C'est le prix de revient de la vaccination. Ça, quand tu es en business, tu imputes ça à l'utilisateur payeur, c'est-à-dire les vaccinés. Les vaccinés, c'est quoi le coût des vaccinés? Fuck all! À part peut-être, mets une moyenne de 100 personnes, comme toi, Dan. On va être obligé de... Mettons que c'est vrai qu'il y a des non-vaccinés aux soins intensifs, OK? Mets 100 personnes par jour, mets-les sur 90 jours, OK? Combien ça coûte
à l'hôpital une personne aux soins intensifs. 1 000 $, 2 000, 5 000, je ne sais pas, mais 1 000 $. 100 personnes fois 90 jours fois 1 000 $, c'est rendu à 9 millions. Divise par 600 000, fait 15 $ par personne. Faut-toi là dans le cul, ta taxe santé, le gars. Puis rajoute-moi à 5 000 $ par jour. Une personne est encore en bas du prix de revient d'un vacciné qui consomme les doses, puis pour qui tu payes de la pub, tu payes des employés, tu payes des espaces, puis tu payes de la logistique et des infrastructures. Ta crise de contribution de santé, tu t'amèteras où ce que tu ouais, parles. Mais pas juste gars, ça. Genre, je sais que. Non, je sais que Carl veut parler. Écoute, juste une dernière chose, c'est super important parce que là, on est tous crinqués. Oui, mais là, je vous dis, on est plus de 6 300 en direct. Ça va être hyper important que vous partagez. 6 300, c'est énorme. Là. Vous êtes beaucoup à nous écouter. Fait que si on veut que le message se passe, moi, c'est Samuel qui m'a tout appris ça, les algorithmes, tout ça. Faut partager. Là. Je vous dis, on est énorme. Là. On est wow. Commentaire. Écrivez-nous de quelle ville vous êtes aussi. Oui. Très important, de quelle ville vous êtes, puis on se parle, puis je viens d'avoir un focus logo, mais je viens d'avoir Yes Sir, mon Dan. OK, fait que partagez les amis, s'il vous plaît, c'est super important. Commentez, likez, puis abonnez-vous à vos pages d'influenceurs, les amis. J'aimerais ça entendre Samuel Grenier, j'ai ouais. parlé de chiffres, là. Je ne sais pas si vous m'avez suivi ou bien je t'ai délabré, mais c'est du prix de revient. Moi, à la base, j'étais un comptable en prix de revient. OK, j'avais fait mon CMA. C'est l'ancêtre, c'est le Registered Industrial Accountant. C'est ma spécialité. C'est que tu calcules un prix de revient, puis jamais de la vie, jamais fuck all au Québec, ça coûte plus cher la pandémie aux non-vaccinés que des vaccinés. Samuel, moi, je veux t'entendre là-dessus. Là. C'est ton show, Carl, mais je veux entendre ça. On a lui donné la parole de toute façon. Fait que... Juste savoir qu'est-ce qu'il va faire avec des familles comme celle de Barbara, qui ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas de médecin de famille, qui sont sur une liste d'attente. OK, 3 enfants, 2 adultes, focal, rien, pas de médecin. Fait que le service à clientèle, la CAQ, n'est pas bon parce qu'ils ne sont pas capables de fournir un service. Fait que si elle n'est pas capable d'obtenir un service qui est obligé d'aller au privé, est-ce que c'est lui, le go, qui va y signer un chèque pour qu'elle puisse le faire? Parce que ça va dans les deux sens, l'engagement. Hein? Faut pas laisser tomber le monde. Quand tu décides d'avoir des enfants dans la vie, là, c'est pas pour en nourrir juste deux puis en faire crever un de faim. Et c'est que tu vas toutes les nourrir, toutes les trois, puis tu vas toutes les habiller, toutes les trois avant qu'ils aillent à l'école. Fait que si tu es incompétent et tu n'es pas capable de les habiller toutes les trois, ben tu n'en habilles pas deux en disant au troisième, ben c'est bien dommage, mais toi, il va falloir que tu trouves des raisons d'exister parce que ce n'est pas moi qui va t'en donner. Fait que ça, là, première chose. Deuxième affaire, il y a quelque chose qui sort à chaque jour que moi, je lis ça en me levant. Ça s'appelle l'usager actif par centre hospitalier. En date du 10 janvier, là, Ciboire. Sur 82 hôpitaux, il y en a 45 qui ont soit une personne ou zéro personne aux soins intensifs liés à la COVID. Fait qu'on se fait bourrer, on se fait mentir par du monde qui tient des statistiques de marde. Puis après ça, ils s'en vont crier dans les journaux puis partout pour dire que sont essoufflés parce qu'ils savent pas comment gérer leurs affaires. C'est pas parce qu'ils manquent d'argent, 1 000 000 000 par semaine, je m'excuse, mais si t'es pas capable de faire du gâteau avec ça puis de nourrir un petit peu mieux ton monde quand ils viennent à l'hôpital, parce que ce que j'ai vu en photo, je fais juste comparer avec les CHSLD, c'est de la marde. Et là, on est en train de dire aux non-vaccinés, c'est à cause de vous autres que ça s'effondre. Hey! C'est parce qu'en 2015 puis en 2018, là, il n'y en avait pas de pandémie, puis le monde attendait quand même des 16 heures puis des 18 heures pour avoir un simple service conseil avec un médecin qui s'était fait briefer par une infirmière parce que lui, il rentre, il se lave les mains, il check rapidement, il signe un papier, puis tu t'envoies avec ça. Mais tu as attendu 12 heures pour l'obtenir, ton crisse de papier. Fait que je m'excuse, mais les gens qui embarquent là-dedans, là, je ne vous souhaite pas d'être malade un jour parce que ce que vous ne comprenez pas, là, c'est que là, il fait juste mettre le doigt dans vos foufounes, mais il va tout rentrer le bras au complet. Parce que ce qu'il est en train de faire, là, c'est qu'il est en train d'imposer une taxe santé à n'importe qui n'aime pas la face. Là, après ça, ça va être les fumeurs. Après ça, ça va être les obèses. Après ça, ça va être ceux qui ont des cancers parce que, hey, voyons donc! C'est même pas légal, cette affaire-là. J'en suis convaincu. Moi, j'aimerais ça que des juristes se penchent là-dessus. Parce que le fédéral, il finance le système de santé avec des conditions. C'est qu'on doit servir un programme universel. Là, c'est pas ça qui arrive. Là, il est en train de se dire, hey, moi, là, je les haïs assez, ce monde-là. Ça va tellement être payant politiquement que je vais m'organiser pour que ma gang
les déteste autant. Puis Chris, il va s'en servir comme enjeu électoral. Je le vois faire parce qu'il fait exactement ce que Macron fait. Il fait exactement parce que c'est la même firme qui est conseil, tout ce monde-là. J'ai fini de parler. Mais au-delà de tout ça, là, les gars, vous autres, vous prenez, tu sais, je veux dire, à quelle mesure vous prenez ça? Parce que moi, pour moi, là, c'est du vent. Là. Pour moi, là, ça ne veut absolument rien dire. Premièrement, justement, comme je disais au début, là, les gens s'éveillent avec tous les messages que je reçois. Tu sais, si le gouvernement se souciait vraiment de notre santé, les gars, là, ça fait longtemps qu'il y aurait des surtaxes pour la malbouffe, pour les McDonald's de ce monde, toutes ces affaires-là, pour les compagnies de cigarettes. Pour moi, ça fait juste zéro sens, puis ça fait juste amener du monde du côté, pas de notre bord, comme je dis, parce que pour moi, on est tous du même côté, là, on est tous ensemble, on est des humains, puis on est tous du même bord, mais ça fait juste les amener du côté du gros bon sens, par exemple. Fait que, moi, je vois ça comme du vent, puis c'est comme l'étiquette qu'ils ont donné. Moi, j'en ai eu 7 étiquettes là, pour les masques, pour le couvre-feu, etc. Je n'ai vraiment reçu un pour de vrai que j'ai contesté, puis pour moi, c'est juste du vent, c'est du papier. C'est un papier qui vaut rien. Peut-être ton esti de papier, je vais le déchirer. Puis moi, c'est comme ça, je vois ça. T'sais, pour essayer de pas trop désespérer les gens aussi, là, parce que oui, on est pompé, mais moi, je suis pompé dans le bon sens. Mais peut-être pas du même sens que vous autres. Gars, juste une petite affaire, je te laisse la parole après, Dan. Je voulais juste dire, parce que là, moi, j'ai vu quelques chiffres aujourd'hui. Tu sais, mettons, ils vont dire, j'ai dit des chiffres il n'y a pas longtemps, en 2017. Ou 2015, il y avait 1500 hospitalisations justement dans les hôpitaux au mois de janvier. Là, je pense qu'on est à 2500 à peu près, mais atteint un petit peu 2500. Merci, M. Arruda. Enlève ton 40% là, de 1500. 50%. On tombe à combien là-dedans? 1400, 1300? Fait que c'est la même hostie d'affaires qu'en 2017. Ça ne change pas, là, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils jouent sur les chiffres, mais on a deux comptables avec nous autres ici. Donc, c'est parfait, mais c'est pas vrai 2500. Enlève 50% de Arruda. C'est-tu pour ça qu'il a perdu son emploi? Je le sais pas. Mais on va s'entendre que c'est en ce moment, le gris est chaud. Là. Hein? Le gouvernement, je ne sais pas, là, il perd des plumes pas à peu près. Puis tant mieux. Moi je suis comme l'a dit à Sébastien. Bien, sûrement Dan aussi croit ça, Samuel aussi. Moi, quand je vois des choses comme ça, c'est des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que plus qu'ils disent des stupidités comme ça, plus qu'ils s'enlisent. Puis regardez, là, on est rendu quasiment à 8000 en live. Là. Puis Éric Duhem était 6000 quel. Les gens sont en beau tabarnak en ce moment. Puis ça parle en ce moment. Fait que je te laisse la parole, mon Dan. Moi, je suis pour le principe de l'utilisateur-payeur, OK? Et puis, le gars, il n'a pas pogné le bon gars là, pour avec sa taxe santé, je vous le jure. Je vais vous donner un exemple. L'autoroute 30. Quand l'autoroute 30 s'est bâtie de Vaudreuil à s'en allant vers Châteauguay, puis pour compléter jusqu'à Sorel-Tracy, ils ont bâti des ponts et ils ont décidé de faire un péage au pont à Vaudreuil qui communique avec Valleyfield. OK? Et puis là, ils ont mis un péage, puis il y avait un montant plus élevé pour les truckers, le nombre des essieux et tout. Puis là, les camionneurs, ce qu'ils ont commencé à faire, ils faisaient le détour. Eux autres qui usent la route, ils font le détour par Valleyfield. C'est que Valleyfield s'est retrouvé grand-île, s'est retrouvé complètement jamé. C'est mon premier live à vie, ça. J'ai eu 50 000 vues. Parce que là, sur place, au début 2017, je n'avais pas de bon sens. Parce que le monde de Valleyfield, ils disent, ça n'a plus d'allure. C'est congestionné de camions de 6h à 9h le matin, de 4h à 7h le soir, non-stop. Tous les truckers, j'ai compris, ils ne veulent pas payer, leur payage n'est pas remboursé. Mais eux autres, ils faisaient payer l'ensemble de la route à monsieur, madame, tout le monde qui revient de travailler avec son petit char qui passe au payage. J'ai fait un live là-dessus, lettre mort. Il n'y a personne qui fait rien. Et finalement, ce n'est pas la bonne personne qui paye. Ce n'est pas compliqué de changer de payage de place pour attendre le trucker à l'entrée du pont en Bois-Noir. Là. Prends pas un coup classique. Là. Faites ça bien ou quoi que ce soit. Mais la contribution santé, comme je disais, je pense que vous avez la contribution COVID. C'est rajouter l'insulte à l'injure. Est-ce que j'invente des termes? Là? C'est comme ça qu'on dit ça. C'est pas mal ça. Je ne fais pas de perdre. À soir, c'est comme ça que ça se dit. C'est ben, ça, dans la vie, tu dis ce que tu veux à soir. Le prix de revient, écoute, la vaccination, c'est les gens qui se font vacciner qui doivent payer ça. Moi, je demande un crédit d'impôt
C'est un crédit d'impôt parce que là, j'arrive, j'invite M. Dubé et M. Dubé et Legault à faire des calculs, c'est des CPA. Moi, j'arrive à 120$ de prix de revient de la vaccination par personne vaccinée et j'arrive à 15$ pour les non-vaccinés qui iraient peut-être plus à l'hôpital. Donc, moi, je réclame un crédit d'impôt de 105$ pour les non-vaccinés. C'est ça que je demande officiellement à François Legault. Oh, on peut réclamer aussi à la SAQ, là, parce qu'on n'utilise pas nos voitures le soir là, en ce moment, hein, parce que c'est dangereux, le virus il est bien dangereux en ce moment. Ben là, ça, on paye là-dessus en ce moment là, des assurances, on paye le droit de circuler sur la route. On devrait tout faire ça. Puis, on risque de vol de voiture. Ah, hey, exact. Tu sais, les gars, 45 hôpitaux qui ont une personne ou zéro personne aux soins intensifs là, sur 82 là, dans la liste. Là. Y a-t-il un journaliste qui en a déjà parlé? Pourquoi que les 45 qui n'en ont pas ou qui en ont un n'enverraient pas du personnel dans les 40 autres qui restent? C'est quoi les pires hôpitaux, mettons? Là, ben, les pires, il y a 22 hôpitaux que c'est vrai qu'ils devraient regarder à leurs affaires parce qu'il y en ont 5 et plus. OK? Mais l'hôpital de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, 13 personnes aux soins intensifs. L'hôpital Pierre-Boucher à Montérégie, ils en ont 8. Hôpital Pierre-Legardeur, la même chose. De la Naudière. Tu sais, il y a une couple d'hôpitaux. Tu parles de COVID, là? Oui, de COVID. Puis l'hôpital général de Lakeshore, là, eux autres, là, ils en ont 10. Puis l'hôpital Royal Victoria, 24. Puis l'Université de Montréal, le centre hospitalier de l'Université de Montréal, 12. Fait que c'est sûr qu'il y en a. Il y en a que c'est une catastrophe. Et c'est eux autres qu'on entend à la télé. Mais on n'entendra pas parler du Bas-Saint-Laurent, de l'hôpital de Matane. On n'entendra pas parler de d'Olbeau-Mitassini, d'Alma. On n'entendra pas parler d'hôpital Saint-Sacrement qui n'en ont pas, le centre hospitalier de l'Université de Laval qui n'en ont pas. C'est qu'on entend tout le temps ce qui fait peur au monde, ce qui est une catastrophe. Au lieu de dire aux gens, venez pas dans les hôpitaux où il y a des soins intensifs pour la COVID, ces choses-là, on va vous rediriger vers un autre hôpital. On va préserver notre personnel, on va préserver nos protocoles, nos trucs. Je pense qu'il y a de quoi à faire. Je ne suis pas un con aussi. Je sais bien qu'il y a quelque chose à faire dans le milieu de la santé. Mais là, de dire que c'est à cause des non-vaccinés qu'il y a une pression dans le milieu, non, il manque de personnel parce que vous les gérez comme des tout croches. Vous ne leur donnez pas de vacances, vous les épuisez, vous ne leur donnez pas de reconnaissance. Ces gens-là ne sont jamais à la fête de leurs enfants, ne sont jamais dans les activités sportives de leurs enfants. Ils manquent toujours les événements importants de leur de leur truc. Puis là, il y a un événement qui s'est produit au Québec, c'est que les enfants qui sont à la maison pour l'école, il y en a qui ne peuvent pas se rendre au travail parmi les parents qui nous écoutent parce qu'ils sont avec deux classes différentes. Et puis là, il y en a un qui est au primaire, l'autre qui est au secondaire. Il essaye de tout faire. Barbara, elle m'a tout expliqué ça. Ça veut dire que si Barbara, c'était une infirmière, fort probablement qu'elle se serait absentée de son travail pour convenir à job que les profs, les parents se sont transformés en profs. Là. Alors, il y a toute une série de mesures qui font en sorte que ça va mal partout parce qu'eux autres, là, à Québec, ils pensent, sans parler à des Barbara, sans parler à des Adrien, sans parler à des Martin qui diraient « Moi, j'en ai pas de nounou. J'en ai pas de prof privé, moi. Moi, j'en ai pas de chauffeur. » Fait que moi, j'en ai un problème, là. Alors, ces gens-là, on ne les écoute pas. Et puis, qu'est-ce qu'on vient leur dire? La seule solution que tu as, c'est ouvre ta manche, fais-toi piquer le plus longtemps possible, le plus souvent possible, parce que nous, on te promet que c'est ça la solution. Bullshit. Les gens auront beau tout faire, tout suivre, tout respecter. L'année prochaine, on va se reparler encore. Ouais. Du même crise de problème parce qu'ils prennent encore la même chemin pour vouloir le régler. Ils essayent de trouver des responsables dans la population alors que c'est l'organigramme qui a un problème au ministère de la Santé. Est-ce que c'est normal que, tu sais, dans la vie, je m'excuse, là, mais tu sais, il n'y a personne de parfait. Hein? Bon, on dirait que le gouvernement, eux, sont parfaits. Il y a toujours des bouts qui me servent. Mais est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, Dan ou Samuel ou Sébastien, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une fois depuis 2 ans, qui ont fait un petit mea culpa de dire on s'excuse, on s'est trompé sur telle ou telle chose. Oui, le golf. Le masque au golf, il s'est fait appeler par ses amis. Ah oui, ça n'a pas été long en plus. Hein, quand ça touche la haute sphère de la société, là, hit avant vite. Mais le but de l'opération, là, c'est de diviser, de marginaliser
les non-vaccinés. Je pense que les gens intelligents, là, la plupart des gens là, qui sont là, qui nous suivent, qui commentent, qui écoutent en silence, ils l'ont compris. Le but, puis ça m'apparaît, d'après ce que je vois, d'après mes petits sondages, d'après mon feeling, d'après les messages que je reçois, ça m'apparaît pas un grand succès comme opération. Non. Je vois vraiment des commentaires, je suis double vax et puis j'en ai plein mon casque. Tu sais, j'en vois plein de ça parce que les gens ont fait confiance à François Legault. C'est vraiment ça. Ils n'ont pas dit on fait confiance à Grenier, à Pilon, à Blais, à Charland, à Millipol, à Mel Goyer, à Gilles Bellerose, à Max Ouimet, name it, tous ceux qui étaient là au début. Ils ont dit on fait confiance à François Legault. Puis là, ils se rendent compte que Popa les a floués. Moi, je parlais ce matin du syndrome de Stockholm. Comment est-ce que ça a parti d'une prise d'otage en 1973 et les otages, curieusement, ont développé des liens avec les ravisseurs. Il y en a même une qui a marié le leader des ravisseurs. Et c'est au Québec, le syndrome de Stockholm est observable. Mais il va peut-être falloir le réaliser parce que c'est pas sain. Là. Maintenant, quand il y a des prises d'otages, mais les gens ils s'isolent pour être sûr que qui ne rentrent pas en contact, qui dérapent pas. Au Québec, là, c'est les gens ont fait confiance à Legault et sont déstabilisés. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est que tu as peur de la personne qui te garde en otage, donc en l'occurrence François Legault, tu as une peur, tu as une crainte de lui, mais tu as un sentiment paradoxal, ambivalent, qui s'accentue, puis que ça va être plus ton sauveur. Les gens qui souffrent d'insécurité, ils vont se retrouver, ils vont se déplacer beaucoup, ils vont beaucoup être atteints de ce syndrome-là. Au Québec, il y en a beaucoup, mais heureusement, les gens commencent à en prendre conscience. Pas besoin de jaser avec un psychologue professionnel. Là, je pense que on le voit que c'est ça, on a été floué par ce gars-là. Il continue. Moi aussi, que je suis déçu, là, c'est que hier, enfin, Arruda est parti, on risque de voir un changement bout pour bout. Le jour 1, le go m'a mis en crise. Pas deux, trois jours après, le lendemain, il m'a montré que c'était lui le crapaud. C'est ça que le monde disait, ça ne changera pas. Mais là, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire sans Arruda. Mais là, on a vu le vrai visage de François Legault. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un sentiment d'urgence? Tu sais, avant, on avait au moins une semaine ou deux. C'est une de mes amies qui m'a fait penser à ça aujourd'hui en groupe Messenger. Là. On avait une semaine ou deux avant les annonces, là, vraiment débiles, là, tu sais, de quoi qui frappe fort. Puis, il me semble que ce temps-ci, c'est à tous les jours, à tous les deux jours. Sentez-vous qu'il y a un sentiment d'urgence de leur côté, à eux autres? Ils accélèrent tout ça parce qu'ils savent qu'on va se rendre compte, que beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils sont capables de vivre juste en ayant été attaqués deux fois. Alors, il y en a beaucoup qui vont se rendre compte qu'Omicron sont capables de le prendre, sont capables d'être malades avec ou sans dose, et ils sont capables de survivre parce que ça s'est produit, puis ils n'en ont pas eu de problème majeur. Alors, les gens vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être pour eux autres, c'est correct. Ils ont participé à l'effort collectif, comme ils disent, et puis ils vont rester à la maison. Donc, ils tendront pas le bras aussi rapidement. Donc, je pense que là, ils accélèrent le programme parce qu'ils se disent faut enlever le plus de privilèges possible parce qu'on va lui redonner à la condition qu'on ait un taux de vaccination élevé. Ils vont le fixer peut-être à 80%, 85%, et ça ne sera pas assez. Hein? Les gens le savent. Ça ne sera jamais assez parce qu'ils s'en vont vers la quatrième, la cinquième, la sixième. Alors, c'est dans le fond, c'est un éléphant qu'on mange une bouchée à la fois. Et puis, vu qu'ils savent qu'ils ont un certain temps avant que les gens se réveillent, parce qu'à chaque dose, ils vont perdre du monde dans leur rang, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, tu sais, les gars, la manif, là, elle serait refaite en ce week-end, il y aura encore plus de monde. Ah, ben oui, c'est sûr. L'autre fin de semaine, il va y avoir encore plus de monde. Ouais. Ils savent très bien. Puis, si on culmute, si on continue comme ça jusqu'au 1er mai, exemple, bien, ça veut dire qu'il y aurait de plus en plus de monde parce que là, les gens disent, moi, j'ai fait les efforts. J'ai relevé la manche, je n'étais pas d'accord. Je l'ai fait par pression de mes collègues de travail ou de mon bureau ou de ma famille ou de peu importe. Je l'ai fait, mais là, je me rends compte que je ne peux plus participer à ça. Et puis là, le gouvernement va accélérer parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus, après que tu aies enlevé le travail à quelqu'un et sa bouffe,
watch out. Ouais. Parce que ça, ouais. ça peut être dangereux. Là. Alors, ouais. Puis moi je vous le dis, c'est que là, il y a des gens qui ne veulent plus se rasseoir. Là. Il y a des gens debout, là. Ouais. Ils veulent plus ah, se ouais. rasseoir. Ils veulent même plus que tu leur expliques quelque chose. Alors, c'est important qu'on s'unisse. C'est important qu'on traverse ça ensemble. C'est important qu'on le fasse ensemble, ce mouvement-là. Pensez pas que d'être un solo à quelque part, ça va changer non. quelque chose. Ils vont, ouais. juste, ils vont juste vous rasseoir plus vite. C'est tout. Mais il faut le faire ensemble. Puis si on avance ensemble, ils vont être obligés de reculer. Ils n'auront pas le choix. Parce que, ultimement, ils ont besoin d'être élus. L'ultime ouais, objectif oui. d'un politicien, c'est d'être élu. Je suis désolé, ils n'en ont pas d'autres. C'est le premier objectif d'un politicien, c'est de se faire élire. J'arrête pas de dire ça, Sam. Moi, j'arrête pas de dire. Eux autres, ils pensent à leur électorat. C'est la seule chose. Puis, comme tu dis, Sam, moi, je l'ai dit la même affaire. Toi, tu disais 500 000. Le jour qu'on va sortir 500 000 dans la rue, 1 million, peu importe, en haut de 500 000, c'est terminé, là. Parce qu'eux autres, même s'ils font semblant qu'ils nous voient pas, je m'excuse, ils ont des feedbacks de nos manifs, c'est sûr, à 100 %. Là, je suis sûr qu'ils ont eu un feedback en fin de semaine pour dire « Hey, attends un peu, là, il était 50 000 ou 40 000, peu importe, dans la rue. Il n'était pas 500 comme notre merdia du Journal de Montréal ouais. a supposé dire. Mais tant mieux. Moi, quand ils disent des stupidités comme ça, les gens sont pas stupides. Je m'excuse. Là, on en a mis des photos partout. C'est partout. C'est même allé jusqu'en Europe, en Italie. Mêlé partout, là, sur Maxime Bernier, sur ses tribunes. Il y en a comme 800 000 de vues à date. Fait que les gens le voient, là. Ils sont pas stupides. Fait que quand tu dis 500-600 comme ça, ben, tu prends les gens pour des valises, des poignées dans le dos, puis ben, t'éveilles des gens. Parce que là, ça fait 2 ans. Si tu fais ça depuis le début, au début, ça aurait passé. Mais là, je pense que le morceau dans la gorge, il passe plus, là. Puis c'est intéressant aussi ce que... Oh, excuse-moi, Dan, ça sera pas une petite intervention. C'est intéressant ce que vous disiez aussi, tu sais, parce que oui, les gens s'éveillent. Puis moi, je le vois vraiment comme un entonnoir, là. Nous autres, là, eux autres, là, ceux qui sont encore dans le narratif du gouvernement, là. C'est un entonnoir. Là, ils brassent ça là-dedans, ils soufflent là-dedans, là, puis c'est une grosse tempête. Mais il y en a qui tombent en bas. Ceux qui tombent en bas, là, c'est ceux qui viennent du côté du gros bon sens. Puis comment c'est fait un entonnoir? Tu ne peux pas remonter. Hein? Un coup, tu es tombé, là, c'est bien dur, tu es une mouche, tu es dans le fond, là, tu ne peux pas remonter. Fait que tout ce monde-là là, qui vient vers nous autres, c'est du monde qui ont perdu pour toujours. Là. Fait que ça, là, c'est tellement encourageant pour moi. Fait que c'est pour ça que moi, les nouvelles comme aujourd'hui, je la prends très bien. Je sais qu'il y en a qui vont commettre l'irréparable, par exemple. Fait que ça me fait filer moins bien. C'est pour ça que c'est important qu'on soit là tous ensemble et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à penser ça. De là aussi, notre émission à Moïcal, témoigner pour briser le silence. C'est important, tout le monde, parce que c'est sûr, c'est la masse silencieuse en ce moment, je trouve, qui cause notre perte. Puis encore là, c'est pas qui cause notre perte, mais il faut s'affirmer, même si c'est un petit quelque chose sur Facebook, un petit... Mon chialet avant contre le gouvernement, avant le COVID, je veux dire, c'est encore la même chose. Pourquoi que là, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense? Mais c'est ça, c'est l'entonnoir, là, il se fait, là, puis en ce moment, il est en train de se vider du bon bord, puis moi, c'est très encourageant pour moi. Absolument raison, Sébastien. Vas-y, mon dame. On a deux grands ennemis, à part la gang Legault, là, c'est la peur et l'argent. OK? Alors, les journalistes ont été grassement payés. Je ne sais pas s'ils ont eu des primes COVID. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux 125 plans verts de l'Assemblée nationale. Les médecins, les infirmières, ça a des primes COVID. J'ai vu des talons de chèque, moi, d'infirmière, le prime COVID, extra COVID, prime COVID de soir, week-end. En tout cas, c'est COVID, c'est tout le talon de paye au complet. Et puis, ça aide, ça, à apprivoiser la COVID. Mais il faut comprendre, nous autres, on s'est fait traiter de complotistes. Là. Moi, j'ai été traité de complotiste dès le début. Moi, j'ai reçu Sam Grenier en live en juillet 2020. Okay? Moi, ça faisait depuis fin mars. Parce que moi, je m'étais intéressé, je ne veux pas trop en parler, là. Je ne dirais pas une recherche. Encore là, il y a des gens qui ne sont pas prêtes. Okay? Mais mettons que j'ai été attiré aux bonnes places sur le web à faire des recherches, j'ai trouvé le jackpot. Et tout ce qu'on a dit, c'est avéré exact. Tout. Absolument. Tout. On est rendu en janvier 2022. Là. Alexis Cossette-Trudel, Blais, André Pitt, Nan Pilon, tout ce qui est allé au début, plus les autres. Tout ce qu'on a dit, on était redrette dessus. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que le but de l'opération, c'est l'identité numérique. OK? Puis j'écoutais Catherine Austin Fitz aujourd'hui, qui a travaillé à Washington, elle, et puis elle dérange la Madame Fitz. Et puis elle en parlait de l'identité numérique.
Et elle dit, une fois que ça va être implanté, vous ne croirez pas ça à quel point vos vies vont changer à la vitesse de l'éclair. Là, on parle de passeport sanitaire, de code QR, et c'est pour ça qu'ils veulent amener ça à 100% ici. Ils veulent marginaliser. Ils sont prêts à tout. Les gens n'ont pas à nuit, mais enlevez-vous pas à vie, mettez-vous pas à corde au cou. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Puis là, c'est au Parlement qu'il va falloir que ça se passe, les gars. Moi, je vais vous botter de derrière pour que vous arrêtiez. Parce que c'est au Parlement qu'il faut qu'on soit, puis bien avant le 12 février. Ouais. Bien avant. Bien, la semaine prochaine, c'est une bonne idée. Écoute, on va parler de ça. Puis moi, je pense que c'est important qu'ils soient là, que les ministres soient là au Parlement quand on va y aller. Puis pas juste d'être en avant puis de rester là abrêté. On fait le tour. Je sais qu'il faut dealer avec la police pour notre trajet, etc. Parce qu'on veut pas de casse. Hein. On veut jamais de casse, là, les amis. C'est vraiment, on y va pacifiquement, mais leur montrer notre présence, qu'on est là. Puis nous autres, on n'a pas peur d'être là parce qu'on est dans notre vérité. On sait que c'est ça. Eux autres, ils ont affaire à leur conscience à chaque jour de leur vie. Puis je vous garantis qu'ils ont pas mal plus peur que nous en ce moment parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Puis le mensonge, il est exposé partout en ce moment. Justement, comme Dan disait, tous les complots, entre guillemets, qu'on dit depuis belle lurette, là, depuis 2 ans maintenant, ils se sont tous avérés vrais, là, tous, sans exception. Là. Là, ils veulent un abonnement au vaccin. Là, tu sais que là, eux autres, Big Tech est gagnant, Big Pharma est gagnant, les banques aussi, parce que là, avec le code QR, la monnaie papier risque, à un moment donné, ils vont dire telle date, ça ne vaut plus rien, il faut que tout le monde ait son code. Et c'est fini la liberté, là. Ça risque de ressembler à ça, là, d'après ce que je vois et que je check à chaque jour. Mais je veux juste demander à Sam. On avait organisé le 1er mai, Sam. C'était quoi qui était en mars-avril? On était fâchés après quoi, là? Je veux juste. Ben, c'était le passe vaccinal. C'était beaucoup le passe vaccinal qui était en. Ben, la passe sanitaire, on utilisait beaucoup le mot passe sanitaire parce qu'on voulait que les images se promènent en France. Puis eux autres, ils utilisaient ça. C'était ça leur enjeu, la passe sanitaire. Et puis déjà, on disait aux gens, ils vont vous obliger avec une passe sanitaire. Ils vont vous donner l'accès à des affaires. Puis moi, il y a des gens qui me disaient, tu trouves pas que tu en mets un peu? Il y a des gens qui me répondaient ça. Hey. Et moi, je leur disais, mais tu trouves pas qu'il y a assez de monde? De gens qui souffrent. Il y a des gens qui chicanent. Moi, je suis parti de cette idée-là en disant, parce que c'est des gens qui me racontaient qu'ils ne se parlaient plus dans la famille. Deux beaux-frères qui ne se parlent plus. Je dis, voyons, pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas, parce que c'est à cause de cette COVID. Nanana. Là, je disais, OK, là, il y a des enfants qui ne s'amusent plus, des cousins, des cousines qui ne s'amusent pas ensemble parce que les parents ne vont plus au chalet familial parce qu'ils ne s'entendent plus, parce qu'ils ne sont pas capables de parler de ça. Là, ça fait des chicanes partout. Les enfants à l'école, à la maison, ce n'est pas tous les parents qui ont la possibilité intellectuelle et organisationnelle et financière de rester à la maison et de s'occuper de l'enfant pour lui donner une scolarité, c'est-à-dire. L'éducation, tout le monde en donne une, mais une scolarité. Et là, moi, je voyais du monde souffrir. Je voyais des entreprises à qui je disais tu devrais attendre avant de faire faillite parce que ça va être le temps de récupérer des subventions. Après ça, tu feras faillite. Mais là, tu feras une faillite aussi personnelle, corporative. Puis là, j'expliquais ça de plus en plus à du monde. Je me disais, voyons, c'est du monde qui était prospère. C'est du monde qui allait bien. C'est du monde qui avait de l'espoir dans la vie, qui participait à ce qu'on appelle une communauté. Et là, on leur enlevait ça en leur promettant des mensonges. Et moi, je regardais ça et je disais, voyons, ça se peut pas. Ils sont en train de dire aux gens que ça va s'arranger dans tant de jours. C'est impossible. Ça se dit pas. C'est comme si tu passes au feu, puis tu dis à ta femme puis tes enfants, dans 28 jours, la maison va être reconstruite, puis tu le sais que dans 28 jours, tu n'auras même pas eu ton argent de ton assureur. Tu le sais, mais tu les manipules parce que tu veux les faire agir selon ce que toi, tu as comme programme. Et là, c'était comme ça. Et c'est pour ça que le 1er mai est né, c'est qu'on était tannés de voir du monde souffrir. On voyait l'agenda pour la passe sanitaire. On voyait aussi qu'il n'y avait pas de débat public. Dans ce temps-là, Dan, on n'était pas aussi nombreux à tenir des directs quotidiens, ces choses-là. Et puis, ce n'était pas organisé, en tout cas. Puis, il n'y avait aucune possibilité de débat public. Il n'y en a pas plus dans les heures de grande écoute ou dans les mainstream, mais c'était impossible.
on se faisait traiter de complotistes aussitôt qu'on ouvrait la bouche. Il y avait plusieurs choses qui faisaient en sorte. Moi, je m'excuse, là, mais on savait qu'on s'en allait vers les enfants, là, qu'on était c'était la prochaine gang. Là. Alors, parce qu'on sait très bien que la vaccination chez les enfants, à quoi ça sert? Elle sert à les formater pour que plus tard, ils puissent recevoir des vaccins sans broncher en se disant « ben c'est normal ». On a eu nos vaccins quand on était jeune, on s'est rendu à tel âge, et si tu as été un enfant qui a été vacciné à tous les 3-4 mois, ben tu vas faire vacciner tes enfants plus tard, tu n'auras pas de problème avec ça, donc c'est très, très, très payant. C'est comme un abonnement Netflix vendu à vie. L'entreprise vaut très, très cher parce qu'elle vient d'évaluer, elle vient de s'évaluer avec une valeur qui est formidable. C'est des revenus à vie, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Mais le 1er mai est né à partir de ça. Et puis, le 1er mai a dérangé parce qu'on est allé chercher des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui étaient tannés de souffrir. Bien, c'est vrai que ce que tu dis là, puis c'est encore le cas, mais ça l'a monté en flèche, là, toute la haine en ce moment. Et ce que je trouve plate beaucoup en ce moment, c'est que, moi, je n'arrête pas de le répéter, je suis sûr, tu sais, nous quatre, on n'est même pas contre personne. Il y a une gang qui sont contre nous autres parce qu'ils semblent dire qu'ils ont la vérité absolue parce qu'ils disent « Hey, moi, je suis avec le gouvernement. Ce qu'ils disent à la TV, c'est ça, la vérité. » Ben je m'excuse, là, mais c'est pas ça, ta vérité. Moi, je respecte l'opinion des gens. Je ne suis pas un pro-vax, non-vax. C'est même plus là, le débat. Là, c'est que c'est rendu que c'est même plus une crise sanitaire. C'est une crise complètement politique de power trip. On va s'entendre que là, lui, le gars, son trip, c'est rendu de la dictature, là. T'sais, on parle d'enlever des salaires aux gens. Puis là, c'est que les dommages collatéraux de la pandémie en ce moment, c'est élevé. Tu sais, comme tu dis, Samuel, tu entends des gens, j'en vois tous les jours qui m'écrivent, là, qui ont des idées noires. J'en ai eu deux la semaine passée qui ont dit qu'ils voulaient s'enlever la vie carrément. Il a fallu que je jase avec eux autres, les encourager de venir à la manifestation. Puis là, tu sais, tu veux pas embourber tes hôpitaux puis le système de la santé. Est-ce que tu peux au moins t'aider? Quand je dis t'aider, est-ce que tu peux emmener des spécialistes à la télé et dire en attendant, mettons que tout ton narratif, là, c'est de picouiller les gens seulement, mais par-dessus ça, es-tu capable en plus de vouloir t'aider, d'avoir des spécialistes pour dire on va vous montrer comment ne pas vous rendre à l'hôpital, de renforcer votre système immunitaire. Puis tu sais, renforcer un système immunitaire, c'est pas une question de bien dormir, bien manger, mais c'est de socialiser, d'aller voir des gens, de s'aimer, de se faire des câlins, d'avoir de la joie de vivre. Mais là, en ce moment, la joie de vivre, là, je vous le dis, elle est crissement pas présente. J'entends tout le monde, là. On est en train de faire un peuple de demeurer bien raide. On s'enlise parce qu'il n'y a plus personne qui ne font plus rien. On n'a plus d'activité à faire. Moi, personnellement, j'ai de la misère à me trouver le plaisir. Je suis honnête. Par contre, avec vous autres, avec les gens que je rencontre, des belles personnes que j'ai rencontrées, on est allé à la manif, au Sébastien, on a eu du plaisir samedi. Ouais. Je le dis, là, je lance le message à tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore vécu de manif, là, allez-y, vous allez en sortir grandi. Vous allez ressortir de là, peut-être fatigué, mais je sens que Dan a de quoi dire. Puis je vous le dis, il faut que vous veniez. Les prochaines manifs, le 12 février, ça va être énorme. Je vous le dis, là, on est quasiment 9000 en live. Il faut que vous veniez partager, puis ça va être énorme. Moi, tu dis que tu as la misère à trouver du bonheur. Moi, ce temps-ci, je trouve du bonheur le dimanche. Je suis un vieil amateur de football américain. Je regarde la NFL, là, les playoffs commencent en fin de semaine. Ouais. Et puis... 80 000 personnes, à peu près. Hey, hein? Vraiment, tu vois un masque de temps en temps, puis la caméra s'arrange pour que tu le voyes, OK? Oui. C'est que tu en as peut-être une personne sur 50 de masqués. C'est à peu près tout démasqué, à part les gars de réseau de télé. La mascarade est tellement évidente. Les joueurs, tu as des joueurs de football, ça se crache dans la face, ça se rentre dedans. Mais oui. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui est masqué. Et c'est encore la mascarade la mascarade des tests COVID. Il y a des clubs qui ont perdu des joueurs clés pour des matchs. Ils ont perdu les Vikings de Minnesota pour le match ultime contre Green Bay. Leur corps arrière vedette était testé COVID 2 jours avant. Vu qu'il n'était pas vacciné, mais lui, c'était 5 jours à poireauter. Écoute, c'est malade. François Legault, je vais revenir sur... De la manière que je le vois, François Legault, là, c'est comme je vais vous vacciner, mes tabarnaks. Je vais vous vacciner, mes tabarnak. Oui. Puis ils font du brainstorm pour penser à toutes les façons possibles. Puis McKenzie, qui le coach, là, ils ont fait des erreurs dans leur plan.
Parce qu'il aurait pu s'y prendre sans, avec cette haine-là, c'est la haine des journalistes. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a allumé dès le début. De voir les journalistes unanimes, enragés, j'ai dit non, ça là, ça cache quelque chose. J'avais Mario Dumont, Martineau, dès le départ. Puis on est formé là-dedans, tu sais. Moi, j'étais un gars d'investigation, de fraude, etc. Donc, quand quelqu'un est agressif, et là, c'est trop évident aussi, c'est qu'ils disaient tous la même chose. Donc, c'est trop évident, c'est qu'ils font une job sale. C'est évident, c'est clair. Faites-moi confiance, mais vacciner, tabarnak. C'est ça qu'il y a dans sa tête, François Legault. Et il n'en viendra pas à bout parce que là, leur méthode est inefficace. La méthode de coercition, de diviser le peuple, elle ne passe pas, elle ne passe plus. Parce que des double vax, c'est plein qui en ont plein leur casse. Il y en a d'autres ce soir qui vont dire « Calvaire, ces gars-là, c'est pas des conneries qu'ils disent. » Allez-y, moi, Moi, ça me fait penser, je connais des jeunes dans cette situation-là, tu sais, des jeunes parents séparés qui ont des jeunes enfants puis qui me parlent de comment ça se passe dans leur famille, que le petit, quand il est chez son père, mais le père, il arrête pas de parler contre la mère. Tu sais, tu comprends-tu? Puis ça l'affecte tout le temps, l'autre parent. Il dit « Tabarouette, tu sais, il parle tout le temps contre moi, mon enfant. » Puis mais ça, c'est parce qu'en bout de ligne, avec les années, bien, cet enfant-là, il comprend que, dans le fond, c'était l'autre parent qui n'était pas correct d'essayer de le monter contre son père. T'sais. Fait que moi, je le vois de la même façon. C'est qu'ils essaient de créer de la division, mais plus qu'ils le font, plus ça amène des gens du côté du gros bon sens. Exact. En plein ça, c'était une petite parabole, je voulais faire. Oui, non, mais c'est bon parce que ça, comme tu dis, Sébastien, ben c'est un peu ça, hein, tu sais, comme tu dis, un jour ou l'autre, c'est comme si tu dis, mettons, parfait, on se chicane en ce moment, tu caches la vérité à ton enfant, mais plus tard, quand il va être en âge de comprendre, je vais lui dire la vérité. C'est un peu comme ça, ce que tu dis, le parallèle que je veux faire avec ça, c'est que c'est comme si là, on était rendu adolescent, là. On est sur le bord que mon père ou ma mère me disent la vérité sur l'autre parent. Puis les gens commencent à s'éveiller, je commence à catcher des choses, là. Mm-hmm. Puis je m'excuse, là, mais pour être beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, que ce soit Éric Duhaime, que ce soit samedi mon live, il y a quelque chose qui se passe. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont regretté de ne pas être venus à la manif de samedi. Parce qu'ils attendaient de voir si les gens allaient réagir. Puis la réponse a été claire du peuple. Fait que ce qui s'en vient, comme je parlais avec Dan hors d'onde, on en jasait, on se disait, crime, je pense qu'il serait temps d'aller au Parlement. Puis les gens nous le demandent, puis il faut y aller. Puis je pense qu'avec toutes nos tribunes, là, gars, il y a du monde. Là. Fait que si on se donne le mot, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'attendre un mois. Je pense qu'en dedans d'une semaine et demie, deux semaines, on peut être pas mal loadé à l'entour du Parlement. À la fin de la semaine prochaine, les gars, en tout cas, on réglerait ça demain, mais à la fin de la semaine prochaine, ce serait parfait. Écoute, moi, je vais vous dire, là, les gars, c'est bien sérieux, là, OK? La dernière manif là, que j'ai organisée, elle m'avait déçu. Mais il n'y avait pas eu de nouvel choc la semaine avant ou l'autre avant. Tu sais, c'est comme. Je me rappelle, tu me parlais la dernière minute. J'ai passé le petit train-train. Là, ça, j'avais été bien déçu. J'ai dit tabarnak, c'est fini. Mais tu avais changé ta journée aussi. Hein? Tu avais changé ta journée. Oui, parce que là, la chicane était prise parce qu'il y en avait une. Puis j'avais fait ça à la dernière minute. Bref. Exact. J'ai pas fait de maladie avec ça. Mm-hmm. Mais. Il n'y avait pas un momentum à ce moment-là. Il y avait un 1er mai, il y en avait un 14 août. L'année passée, il y en avait eu. Il y a eu des belles grosses manifs. Melgoyer, la Fondation avait organisé tout ça. Mais moi, là, samedi matin, là, quand j'ai vu la température, comme je disais, j'avais quelque chose, mais je me suis dit, ils vont avoir une coupe de sang. Quand j'ai vu les images, j'ai dit sacrément, les Québécois viennent de se réveiller. Ouais. C'est sérieux. Là. Moi, là, ça m'a fait. Dan, là, tu l'as le momentum. Là, on l'a le momentum. Là. C'est que c'est pas là, c'est plus là, de faire des shows. Là, puis, exact. Non, c'est d'être debout là, avec monsieur tout le monde, là, avec la cagoule. Personne ne sait qui, mais on est tous là. Là c'est, on est rendu là. Là c'est, ça va être le rendez-vous d'une vie. Là. C'est comme, il n'y a plus d'excuses. Là. Puis c'est important ce que tu dis, Dan, tu sais, puis souvent, là, mettons, dans notre milieu, dans le mouvement, là,
Il y en a qui chialent, oh, mais lui, il va parler, moi, je ne parlerai pas, ouais, ouais, pour les speeches. Mais savez-vous ce qu'on va faire? Là, je l'apprends à Carl, puis Joe, si tu nous écoutes, je te l'apprends. Ce qu'on va faire pour la manif du 12, là, il n'y a pas personne d'influenceur qui est connu qui va parler. Puis on va pogner monsieur, madame, tout le monde qui ont des témoignages à faire, puis c'est eux autres qui vont aller sur le stage. Parce qu'on sent en crise, c'est pas ma manif à moi, c'est pas la manif à Carl, c'est pas la manif à Joe, ni à Pilon, ni à Grenier. C'est la manif de tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde. Fait que si vous pensez qu'on fait ça pour faire nos frais et être populaire, c'est pas ça pantoute. C'est monsieur, madame, tout le monde qui va parler, puis c'est pour eux qu'on fait ça. La seule affaire, il faut que tu mettes un maximum parce qu'il peut y en avoir un qui passe 45 minutes et qui endort tout le monde. La seule affaire, il faut que tu aies quelqu'un qui coupe le micro, c'est tout. Exact, en plein ça. Couper le micro. Excusez, j'ai eu. J'étais quasiment pompé. Hein? Ça arrive. Mais, hey, Samuel, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Là. Tu textes à qui? Là? Je tentais d'envoyer une photo à Carl parce que je voulais non. qu'elle diffuse. Non, non, mais tu vas y aller. Tu me l'as envoyé où, Sam? Non, non, j'ai tenté de le faire. Ah, mais non, mais vas-y, je vais la partager. Mais il y en a une en fait. D'accord, les gars, je suis d'accord. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que je le répète souvent, je ne veux pas parler pendant les manifs parce que je me dis, moi, là, je l'ai, ma tribune. Moi, je l'ai, ma tribune, puis je peux souvent m'exprimer. Puis c'est pour ça que je préfère que ce soit du nouveau monde qui puisse s'exprimer. Ouais. Parce que je l'ai, mon temps d'antenne, puis je l'ai, je suis capable. Je suis capable d'aller chercher l'attention du monde pendant que je fais mes affaires, tu sais. Mais je trouve ça intéressant que des nouvelles personnes puissent se lever, que des nouvelles personnes puissent être connues, parce que évidemment qu'une telle personne qui s'adresse qui ouvre son blog et qui commence à parler, elle va aller chercher peut-être 100, 200, 300 personnes autour d'elle qui vont dire, donc je m'identifie à elle. Mm-hmm. Moi, j'ai hâte là, t'sais, qu'on entende plus parler des mamans et des papas qui vivent l'enfer de l'école à la maison. OK? Ça, c'est elle, la clientèle pour les prochaines manifs. Oui, c'est exact. Elle. Nous autres, on est toutes convaincus, mais ouais. elle vient de se lever. Puis elle ne se rassoira pas, là. Parce qu'elle est en crise, puis la prochaine fois, elle est tombée dans l'entonnoir. Oui. Elle est tombée dans l'entonnoir. Ça fait que moi, je m'adresse à tous les vaccinés en crise. Bien, venez rejoindre le mouvement. On n'est plus là. Oui, t'es là. Parfait, Venez rejoindre le mouvement. Venez rejoindre ce mouvement-là. Parce que ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Ça se peut que votre enfant ne puisse plus aller à la bibliothèque le soir parce que ses parents n'auront pas le circuit vaccinal que Legault ou le dirigeant en place ne souhaitera pas avoir. Jamais ils vont enlever les mesures qu'ils implantent. OK? Là, présentement, il n'y a pas d'opposition à Québec. OK? Il y a juste Claire Samson. Ouais, hein, il y en a une sur 125. Qui est ici présente. Des fois, elle se cache. Des fois, elle peut arriver n'importe quand. On ne le sait pas. Puis, il y a juste elle. On va être honnête, là. Une. Ouais. Puis, ça a l'air qu'elle ne revient pas dans... ça a l'air qu'elle prend sa retraite après, là. Ça fait qu'on va oublier ça. Fait que là, présentement, là, ces torieux-là sont ensemble. C'est pas le parti de la CAQ, c'est le parti de la CAQ, PLQ, Québec solidaire, puis Parti québécois. Il existe encore, le Parti québécois? Il est-tu encore là, le Parti québécois, lui? Oui, OK. Parfait. Non, mais je ne sais plus s'il est là encore, mais bon. Ouais, là, ces quatre associés-là, on va les appeler comme ça. Ils ont tous des familles différentes, mais c'est quatre cousins, OK? Ça qui se réunissent tous à même épluchette de blé d'Inde, puis ils se moquent de nous autres. C'est ça qu'ils font. Et là, présentement, ils sont en train de se négocier. Ils sont en train de négocier ça. Parce que moi, je n'ai pas vu de parti d'opposition ouvrir leur micro et leur caméra comme on fait aujourd'hui, puis dire on va rassembler du monde, puis on va dire que c'est ce qu'on vient de faire, c'est une attaque. Et dans le programme, je le répète, là, dans les transferts d'argent du parti du fédéral aux provinces, je pense que c'est bien mentionné qu'ils font, mais il ne faut pas. Il faut que le système soit universel et accessible à tous sans contrainte. C'est à vérifier, là. Je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais je pense qu'ils peuvent avoir des ennuis. Puis j'espère que nos députés fédéraux vont se lever et vont dire non, 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 non. Vous ne touchez pas à l'universalité des soins. Là, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes en politique, là. Là, on a besoin de plus de politiciens. Là. On a besoin d'avoir du monde avec des couilles. Oui. Parce que là, c'est sérieux ce qu'on vit présentement.
c'est pas pour le montant, c'est une question de principe. C'est comme si on disait à du monde, ben regarde, toi, ben on a décidé que c'était pour te coûter tant pour aller à l'école, puis l'autre, ça ne coûtera rien. Pardon? Oui, parce qu'on a décidé que vu que tu vis en région, ça nous coûte plus cher parce que la route, gnagnant. OK, bien, on va te charger à toi. Pardon? Non. Ça, c'est comme dire après ça à quelqu'un, toi, ton thème, quand tu pars du Nunavut, ça ne sera pas un thème que tu vas mettre sur l'enveloppe, c'est deux thèmes parce que tu habites loin. Non. Post-Canada, le principe, c'est le même prix partout, coast to coast. C'est ça. Tu sais, quand tu fais partie d'une communauté, c'est pas juste pour les bons côtés. Tu en fais partie également pour des affaires que toi, tu payes, tu finances, puis tu te fermes la gueule en te disant, bien, c'est correct, parce que c'est ça, faire partie d'une communauté. Moi, je paye une taxe scolaire parce que j'ai été scolarisé, pas parce que j'ai pas d'enfant. Moi, quand j'entends le monde me dire, mais j'ai pas d'enfant, pourquoi j'en paye une? Tais-toi, tu y as été. C'est de même que ça fonctionne. Mais là, c'est comme si, ah non, moi, là, je vais faire payer plus cher quelqu'un parce qu'il n'a pas voulu écouter le gouvernement, parce qu'il n'y a aucune base scientifique à être vacciné ou pas pour la transmission. Il n'y en a pas. Arrêtons ça. Puis ceux qui coûtent cher en test, là, puis en infirmière pour analyser, puis en laboratoire, présentement, c'est ceux qui sont douillés, qui ont tout reçu, qui sont inquiètes, c'est des hypochondriacs. Bien souvent, là-dedans, il y en a une grosse partie que c'est des égoïstes. Ils pensent juste à eux, puis à leur petit bonheur, leur petit bien-être à eux, leur petite sécurité. Mais ils ne pensent pas pantoute que ça prend des infirmières, des personnels administratifs, des laboratoires, du monde pour transporter tout ça, ces affaires-là. Ils ne s'imaginent pas qu'elles sont en train de congestionner le système de santé juste par leur petit côté égoïste. Ouais. Hey, Carl, pendant que j'y pense, après ça, je vais laisser parler à M. Pilon. Tu iras chercher l'annonce de notre manif du 12 février. Il y a plein de gens qui le demandent. Tout le monde, là, si on est 9000, tout le monde, allez tout de suite cliquer « Je participe ». Allez dessus. Ouais, bonne ça, idée. Ça fait un effet de groupe. Puis les algorithmes Facebook ne nous aident pas, vous le savez. Donc, allez, je participe, partagez-le dans vos groupes. Et puis, on en organise une pour la semaine prochaine devant le Parlement. Autour du Parlement. Il faut qu'ils cliquent, inviter tous les amis. Ouais. Puis, à un moment donné, il y en a 500 qui vont apparaître. C'est bien important de faire rouler ça. Yes. Mais si je peux me permettre, l'Assemblée nationale, moi, je vois ça un peu comme la WWF. Tu sais, la lutte, là, ben, je pense que ça a changé de nom à cette heure. Tu sais, t'as tout le temps les bons, les méchants. Tu sais, puis au moins, eux autres, ils donnaient un bon show. Tu sais, c'est que. Des fois, le méchant devenait un bon, le bon devenait le méchant, etc. Et puis, l'Assemblée nationale, mais c'est ça, c'est tout. Ben là, t'as même plus de show. Il se passe rien. Ils sont tous. Moi, je suis rendu, les gars, à me demander s'il va y avoir des élections. D'ailleurs, en France, c'est de faire à croire qu'une pandémie avec une petite grippe de rien. Écoute, le ratio entre les cas et des hospitalisations, on parle de 100 pour 1. C'est comme, c'est comme prendre le monde pour des imbéciles. Il faut vraiment que les gens, là, à un moment donné, se détachent de Popa, Legault, là, puis réfléchissent tout par eux-mêmes, dire « ça n'a pas de Christy de bon sens, qu'est-ce qu'il essaie de nous passer là? » C'est que ce show-là, là, moi, je ne suis plus capable. Là. Puis je vais... on n'abandonnera pas, puis on va en venir à bout, tabarnouche. Mais ça va être ensemble qu'on va en venir à bout. Chapeau, les gars, je suis content que vous soyez là. Je suis content de vous avoir découvert, parce qu'on va y arriver. Hey, on est content que vous soyez là, tabarouette. Puis comme tu disais, c'est vous autres qui avez mangé les coups en premier. Hein? C'est comme moi, je suis là depuis le début. On ne fera pas de martyr parce que, c'est un message de vérité au meilleur de notre connaissance. Des fois, on fait des bons coups. Des fois, on essaie d'en dire trop. On ne connaissait pas. On est devenu producteur, publiciste. Psychologue, sociologue, à un moment donné, on a diversité. Ça a été fantastique. On a diversifié. Ça a été fantastique au point de vue cheminement personnel de traverser cette crise-là jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a permis de comprendre l'être humain. Et puis, mais là, maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde est rendu à. Parce que nos cerveaux marchent différents. C'est pas parce que quelqu'un a fait confiance à Legault
la première année, qui est un asti d'épais, c'est pas vrai. C'est une personne qui avait confiance en lui, c'est tout. Mais à un moment donné, regarde, t'en as-tu assez, là? Moi, les gars me disaient, ah non, Dan, ça va être fini à la fin de l'été. Ils me disaient ça en 2020. J'aimerais ça les voir, ces gars-là, en janvier 2022. Hey, les boys, commencez-vous à allumer, là? C'est que l'ego, à un moment donné, là, ça ne vous enlèvera rien de changer d'idée, ceux qui veulent encore s'ostiner. Parce que l'ego, on appelle ça l'ego, la bébite à l'intérieur de nous qui veut avoir raison, qui ne veut pas lâcher prise. Vous ne perdrez rien en disant, ben écoute, je me suis fait avoir, puis il avait raison, puis joins les rangs. Tu sais, il veut dire, personne ne va vous en vouloir, vous n'êtes pas marqué à vie, vous n'aurez pas une étiquette d'imbécile. On lâche prise, puis tabarnouche, je me rejoins avec la gang. Là, c'est faut se rendre à l'évidence. Exact, tu as raison. Puis moi et Carl, on en parle souvent, puis vous autres aussi. Ce qui est important, c'est de notre côté aussi, hein, de les accueillir à bras ouverts. Ça ne donne à rien de dire, hey, t'as-tu vu, je te l'avais dit pour ça. T'as-tu vu, j'avais raison. On s'en fout de ça parce que c'est de l'ego de notre côté aussi quand on fait ça. C'est de les accueillir à bras ouverts. Puis c'est pas en leur tapant sur la tête qu'ils vont avoir le goût de venir du côté du gros bon sens, les amis. Fait qu'on a nos bras grands ouverts, on les aime, on les attend. On est tous du même bord. En même temps, juste pour dire que en fin de semaine, pas oublier, justement, dimanche le 16, c'est en fin de semaine, à 13h. Moi, j'ai dit que j'allais être là. J'ai callé hier. Fait que je vais y aller parce que je l'ai dit, puis pas parce que je l'ai dit, parce que je veux y aller. Manifestation pacifique contre les mesures liberticides. Justement, mais ça, c'est justement Jonathan Sirois qui vient de m'envoyer ça. C'est justement devant le Parlement, mais ça reste quand même que c'est le dimanche. Mais on cale quand même, comme on s'est dit, le vendredi, parce que je veux le faire dans la semaine. Ça, c'est sûr qu'on le cale. Mais en fin de semaine, ceux qui sont de Québec, ceux de Montréal qui veulent y aller, vous voulez inonder les manifestations pour le prochain mois, prochain deux mois, bien, let's go, il y en a. Vous en avez demandé aux gens? Bien, il y en a. Fait que, gars, il y en a une première dimanche à Québec, directement devant le Parlement. Puis là, nous, on va donner suite avec l'idée qu'on a tout eu, que Dan... m'en a parlé, bien, on va le faire, c'est sûr, un vendredi, comme on s'est dit, là, le 20, je crois qu'on s'est dit que c'était un vendredi. Oh, mais pour le week-end. 21, peut-être. Ouais. Mais bon, on va regarder pour dans la semaine, là, pour qu'ils soient là. Je pense que c'est important qu'ils soient là, d'aller leur montrer notre présence physique. Ouais. Et oui, pacifique, j'en voyais là, qui marquait pacifique avec des bonhommes qui pleurent et rient. Il faut rester pacifique, les amis, je veux dire. Ils attendent juste ça, mais oui, ils attendent juste ça, attend, qu'il y ait la cause. Exactement. Moi, les gars, je peux juste vous dire là, que les messages rentrent. Je comprends, là, OK, pour les gens qui nous écrivent, présentement, je vous demande une chose, c'est de ne pas me transférer de vidéos qui alertent ou ce genre d'affaires-là. S'il vous plaît, ne participez pas à ça. Puis, j'essaie de lire chaque jour plein de messages. Là, j'ai essayé parce que c'est rentré pendant notre direct, plein d'affaires, plein d'affaires. La gang qui me suit habituellement savent que je ne peux pas tout prendre et que je peux en lire une coupe. Là, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être ce soir, ont dit « Ah, oh, ben tiens, il n'est pas dans ma liste, je vais m'essayer avec lui. » C'est pas que je ne veux pas passer l'information là, en direct. Là. Je ne suis même pas capable de la traiter. J'essaie de reprendre des messages, je n'y arrive pas. Alors, tout ça pour vous dire que l'information, que ce soit efficace, il faut qu'elle soit menée, traitée. Là, fait que, envoyez-moi pas 8 fois la même affaire. Parce que j'ai perdu le contrôle ce soir. Là, j'essayais de ramasser. Je sais qu'il y a une manif ce dimanche. J'ai envoyé l'information à Carl. Puis, il ne faut pas nous en vouloir si on ne passe pas le message. Parce que, bon, je sais que vous pouvez être déçus des fois. Ben, moi, je n'étais pas au courant, tu vois. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui n'étaient pas au courant. Moi, on en aurait parlé. Moi, je ne le savais même pas là, qu'il y en avait une dimanche. Donc, c'est ça. Puis moi, ce que je me suis engagé à faire, avec Carl, et puis si Dan est là, tant mieux. Si Sébastien, vous êtes là, tant mieux. Si tout le monde peut se joindre à nous, tant mieux. J'aimerais ça qu'on fasse un moment donné, Carl, pour la manif que tu as calée. Moi, je voulais qu'on aide les gens à covoiturer. Les gens viennent de partout. Puis faire un direct un soir où on dit aux gens, là, vous allez écrire la ville que vous êtes pour que vous puissiez vous reconnaître entre vous autres puis vous responsabiliser entre vous autres pour vous donner des livres. Ça va permettre à du monde peut-être de partir de Mont-Laurier, peut-être de partir de en Estrie, peut-être d'autres qui vont partir de Magog, puis ils vont pouvoir le faire ensemble. Puis, ce qu'ils ont fait cet été pour le 1er mai, ils sont partis, genre, mettons, 8, 10, 15, 20 voitures ensemble en gang. Alors, c'est le fun, parce qu'on n'était pas capable de louer des autobus pour eux autres, mais ils se sont organisés. Alors, il faut faire ça, parce que ça, c'est un gage de succès, parce que les gens en région participent.
Ils aiment beaucoup participer. Alors, j'ai eu des messages, mais j'ai pas commencé ça ce soir-là. Fait que les gens qui m'écrivent en privé pour ça, je peux pas vous répondre. Je suis désolé. Mais depuis tantôt, j'essaie de répondre à plus de monde possible là, parce que je veux que ce soit interactif. Mais soyons productifs, là, puis on va s'organiser pour que ça le soit. On fait un post chacun sur nos pages pour dire voici un post pour le covoiturage, pour la manif, exemple, du 21. Du 21 janvier, exemple, à Québec, là, si on confirme la date demain. Oui, c'est sûr. Puis là, les gens s'arrangent. Là, les gens, ben moi, j'ai un char. Moi, j'ai pas de char. Moi, je n'ai pas de place. C'est qu'en dessous du poste. D'habitude, ça va bien. J'ai fait ça les premières grosses manifs. Fait que, on fait ça chacun sur nos pages. Puis c'est merveilleux. Mais moi, les gars, je vous félicite. Mais là, ça fait un bout qu'on est en... Il est assez tard, là. C'est ça, Dan? Tu vas aller faire... J'ai un live demain matin, moi, là, une chance, j'ai un invité, ça me fait moins de préparation. Sam Grenier a compris ça, quand t'as des invités, t'as moins de préparation. Ouais, mais faut que tu les éduques, là. La caméra dans le sens, ton micro, t'as-tu des écouteurs, tu peux venir entre telle heure et telle heure, puis... Encore là, Sam, moi, j'ai vu Dan cette semaine qui a parlé un bout avec le micro fermé. Ah ouais, Chris, c'est pour 2-3 minutes. Très dangereux quand t'as pas de. Quand t'es tout seul de fermer le micro parce que tu partages une vidéo aussi. Ça m'est déjà arrivé faire 30 minutes au complet, faire le live au complet. Mais là, il y avait encore du monde qui t'écoutait. Il riait, il avait du fun. Hey, non, mais attends, c'est un bon truc, Dan. Un matin que tu n'as rien préparé, tu fermes ton micro, tu vas juste te faire aller les babines. Oui. Pour voir, je peux savoir aller, ouais. Les gens restent en onde, ils restent en onde pour savoir quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte, dans le fond. C'est ça, c'est sûr. C'est l'humiliation totale. Je suis allé supprimer ça. J'ai même pas regardé combien il restait de monde, du colis de clown. C'est des choses qui arrivent. Quand tu fais rien, tu tombes pas, hein? Et voilà. Absolument. Ouais, ouais, merci, Carl Giraud. Merci, Sébastien Desautels. Vous êtes des vrais. Puis on est avec vous autres à 100 000 à l'heure. Puis j'ai eu des vieux influenceurs qui m'ont contacté à soir. Ils ont dit « Dan, c'est le temps d'être ensemble. » Ah ouais, que c'est intéressant ça. Là, ça va être intéressant. Oh, yes. Ça va frapper fort en 2022 parce que là, l'unicité, c'est sûr que ça l'explose. Puis on va ébranler le temple du Québec et je dirais les poutres qui tient le Parlement, ils vont se faire shaker prochainement. Mm-hmm. Bravo, les gars. Puis encore là, on demande souvent un débat public. Hein. Moi, j'y ai pensé. Puis là, surtout que tous les faits sont de notre côté, tous les chiffres sont de notre bord. Moi, Carl, si t'es game, on invite n'importe qui est game de venir en live avec nous autres puis de contredire ce qu'on dit. Je veux dire, à un moment donné, le débat public, on n'est pas obligé de l'attendre, on peut le créer. Fait que, mais c'est certain que dans les commentaires, il faut être respectueux, les amis. On demande un débat public. On n'est pas pour aller fesser dans la face de ceux qui ne pensent pas comme nous autres. T'sais. C'est pas de même que ça marche. Là. Je veux dire, le respect, c'est dans deux sens. C'est important. Là. La raison pourquoi les gens ont, depuis le début de la crise de COVID, ceux qui sont conformistes, la raison pourquoi ils sont agressifs, parce que qui se ressemble, ça semble. Et comme les journalistes propageaient la reine et étaient agressifs, qui ils ont rejoint? Ben, les gens agressifs qui vivent dans la haine. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On a fait ce constat-là rapidement. Ils étaient très, très, très agressifs, les gens conformistes, dès le début. Mais là, je peux vous dire que la récréation est terminée pour, en plus, les trolls et tout ça, là, ça comme... Je pense que ceux qui restent, c'est juste ceux qui sont payés par le gouvernement. Là. Je pense qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus des messieurs tout le monde là, qui viennent nous vomir dessus. Là. Il n'y en a plus. J'en ai vu beaucoup. Non. Puis, nous autres, on va plugger notre émission de demain avant de quitter parce que, je ne sais pas pour vous, là, mais nous, demain soir, on a notre émission Témoigner pour briser le silence sur la page COVID-19, Témoigner pour briser le silence et sur la page Libre choix. On reçoit Geneviève, je ne dirais pas son nom de famille parce que c'est une infirmière auxiliaire qui travaille dans un GFM, ça se peut-tu? GFM, oui, je pense que c'est ça. Et puis, elle a plein de choses à nous dire pour les tests PCR, pour ce qu'elle voit de ses yeux, qu'elle voit. Puis, si je ne dis pas son nom de famille, c'est pas parce qu'elle, elle ne veut pas. Elle a les balles de venir en live, mais c'est parce qu'en une journée, ils ont peut-être le temps de faire comme « Oh, on va la contacter puis la dissuader, mettons. » Fait qu'il va avoir elle, puis il y a d'autres invités, donc... Il reste à confirmer, mais c'est sûr. On devrait en avoir trois, normalement, là, comme à l'habitude, à part la semaine passée, mais c'est des belles émissions, c'est le fun. Il faut que les gens sortent publiquement. Demain aussi, il y a Dan qui est là à 6h30, 6h45 ou 7h, Dan?
Ben là, comme c'est parti là, ça risque d'être 7 heures parce que je vais 7 heures, mais généralement, c'est 7 heures moins quart. Okay. J'ai une invitée aussi demain, le monde devrait l'aimer. C'est que du mardi au vendredi, Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, fidèle au poste à 6h45. Et demain, après ça, après Dan, c'est Amélie Paul avec les matins d'Amélie qui prend ma relève sur sa page à elle parce que moi, j'y suis pas. Et puis, par contre, demain midi, je serai avec André Lafrance. On va avoir quelque chose de bien intéressant. André, là, il est écœuré en tabarouette de voir ça. Là, il m'a dit, là, j'ai de moins en moins de retenue. Alors, demain midi, je vais être en direct avec lui. C'est drôle, Samuel, parce que tu parles d'André Lafrance. J'ai vu un de ses lives, justement, qui était dans son motorisé. Puis c'est rare, je le vois fâché, lui. Il était fâché, puis j'ai bien aimé ça parce que je le vois rarement fâché. Puis je dis, hey, Caroline, tout le monde sort de leur gond de ce temps-là, ça veut dire que ça bouge. Moi, j'aime ça. Et puis, est-ce qu'on peut, je peux prendre un temps pour remercier tous les gens qui ont été là ce soir? Ben, oui. Merci, vous avez participé en très grand nombre, vous avez partagé, vous avez commenté, vous avez liké et vous savez que c'est une façon de nous récompenser, vous le savez ça. Et je vous en remercie tout autant que vous étiez, je l'apprécie énormément. Ouais. Salut à tout le monde. On peut peut-être remettre la manif. Allez cliquer sur la manif du 12 février, les amis. Cliquez « Je participe ». Ça va être la plus grosse. Là, il y en a une en fin de semaine aussi, le dimanche. C'est important. Vous participez, vous partagez à vos amis. On va terminer. Moi, je peux terminer tout le temps de la même façon, les gars. C'est « La lumière n'a pas d'ombre. Soyez un phare pour les âmes égarées. » Je vous aime. Merci d'avoir été avec nous autres, les gars. Plein d'amour, hein, lover, Sam. On se fait-tu un câlin? Nous autres, on fait des câlins, Carl. Ah ouais, go! Allez, on fait des câlins. Oui, plein de câlins, les amis. Hey, merci, les gars. Salut à tout le monde. Merci d'avoir été là. Hey, vous êtes cool, les gars. Bravo, les gars. Salut. Hey, merci, je vous aime. Salut à tout le monde. Bye-bye.